La conque, le grand pavillon. Au fond d'un mystérieux passage où vont mourir les papillons de nuit. Quand vient le temps des migrations, ils envahissent par millions mon logis de multicolores, taches carrées de vert et d'or. Mon amour d'or, mon amour qui jamais ne ment. Les papillons de nuit volent sans bruit. Les papillons de nuit violemment se briseront les flots sur la coquille de mon château, qui traversa mille tempêtes sans que jamais rien ne l'arrête. Tous mes amours furent éphémères, sauf celui-ci qu'un jour je vis. Au fond d'un mystérieux cratère où vont mourir les papillons. De nuit, funky junkie, les papillons de nuit volent sans bruit, les papillons, je ne vois les papillons. Bon, je suis encore tombé en amour avec une fille fuckée. Puis elle me dit, comme d'habitude, bon, oh, ça me tente qu'on s'en aille sur le bord de la mer avec une décapotable. Bon, il va. Ah non, pas comme dans les films. Elle dit, oui. Les gens autour qui me soupèsent, tout ça me pèse, tout est étrange. Une vieille dame parle à voix basse furtivement, qu'est-ce que j'ai fait? Nul souvenir, je crois avoir trop bu hier soir. Je finirai comme je finirai, sans jamais devoir rien à personne. Et j'ai dit bon ben ok, on descend. Ce périple, il arrive tellement d'événements, mesdames et messieurs, que je peux pas vous les raconter sur les ondes de Cool FM. Ces choses terribles et abominables avec des gros mots, ça ferait bip. Et pour la suite encore, je connais une église datant du Moyen-Âge. Son portail est fermé, longue grille forgée, ornée de pics chrétiens que j'adore grimper. L'escalade est bizarre, franchement interdite. Il faut avoir un sac pour les remplir d'objets. Il faut avoir une lampe ou au moins un briquet. Et j'ai dit, la lune est formidable, les nuages menaçants. Je m'assieds sur la grille confortablement, je contemple la ville. La lune est formidable, les nuages menaçants. Je m'assieds sur la grille confortablement, je contemple la ville. Puis descendre et faire gaffe, remonter l'autre porte, passer par le vitrail. Il y a une ouverture, prendre appui sur la frise et sur la tête de Saint-François d'Assise.
sauter sur le sol de l'église. Et j'ai dit, la lune est formidable, les nuages menaçants, je m'assieds sur la grille confortablement, je contemple la ville. C'est un coup de tonnerre dans le temple de Dieu, tout en pierre résonne à chacun de mes pas, je risque d'être entendu, mes mères d'un banc malvenu, je m'accroche dessus. C'est un coup de tonnerre, je me sauve en courant, mais nul ne m'a entendu. Je reviens sur mes pas, je marche vers la croix. À droite, une ouverture, des vêtements de prêtre dans une armoire en bois, et je m'habille. Oh, oh, la lune est formidable, les nuages menaçants. Je m'assieds sur la grille confortablement, je contemple la ville. Enfin, c'est le miracle. De vases en porcelaine émaillés, de bleu azur et ornés d'or véritable, se présentent à la lune. Ils sont sculptés de lucarnes ou des vierges de marbre. Pardonne aux pécheurs, je les veux, je les prends. Béni soit mon grand sac, repartir en courant. Et je dis, comme je suis heureux, comme je suis malheureux, comme je suis heureux, comme je suis malheureux, comme je suis heureux, comme je suis malheureux, comme je suis heureux, comme je suis malheureux. Et nous traversons la forêt des chevaux immobiles. Elle dit, Frankie Junkie, oh, arrête tes histoires, on descend. On descend vers le sud. Et bientôt nous apercevons la mer, mais c'est une falaise. Elle me dit, oh, fonce. Et nous fonçons à 200 à l'heure. Et tout à coup, l'océan tape un disco. Et nous plongeons dans le grand solo. Frankie Junkie. Merci. Merci beaucoup. Grobel. L'histoire de Grobel. On l'appelait Plume de Corbeau, il savait pister les perdrix, scalper tous les ennemis. Finefleur, c'était sa douce amie. Un jour qu'il domptait un cheval, il aperçoit dans un fossé Grobel essayant de violer Finefleur, sa douce fiancée. Grobel était le plus costaud des conducteurs de Mulanville. Il mesurait 6 pieds de haut, il était énorme comme un baril. Finefleur est terrorisé, Grobel au sol l'a plaqué. Ah 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 ah, je vais t'avoir, il est sûr de lui, l'animal. T'as compris? Check bien ça. Grobel a baissé son pantalon et a extirpé son gourdin. Jamais des plaines jusqu'aux montagnes, on a vu un pareil machin. Quoi, quoi, quoi? Grobel a baissé son pantalon et a extirpé son gourdin. Jamais des plaines jusqu'aux montagnes, on a vu un pareil machin. Quoi? Qu'est-ce que vous avez contre ça? Grobel. Jamais on a vu un pareil machin. Ça mesure au moins 2 pieds de long. Ça mesure au moins 2 pieds de long, ça sort direct du pantalon. À côté de sa plume de corbeau, à l'air d'un petit chalumeau. Grobel, enfin, d'un geste vigoureux, enfonce Finefleur avec son pieu. Et merde, il va me l'écarteler, merde, il pourrait me l'abîmer. Mais Fin... Grobel... Et merde, il va me l'écarteler, merde, il pourrait me l'abîmer. Mais Finefleur, au lieu de crier de douleur comme une condamnée, se met à hurler de bonheur. Finefleur a eu 2 yeux d'ampleur. Honte sur toi, plume de corbeau, jamais elle n'a crié comme ça quand tu lui chantais les louanges de ses petits seins comme de petits anges, hein? Grobel. Dans le tipi des fiançailles, tu m'avais dit que tu m'aimais, dit-il en passant à l'attaque armée de son petit tomahawk. La plaine retentit longtemps des coups de hache qu'il asséna à Grobel et à Finefleur. En quartier, il les découpa. Maintenant, plume de corbeau, vie en ermite retirée, il a un mauvais caractère, il a le comportement de ta mère. La morale de cette histoire, c'est que les présidents, ils font la guerre parce qu'ils en ont des trop petites. Voilà, ils sont pas fiers.
Avec le corps d'un citoyen. De meilleurs noms renommés, le saint, le fou, le criminel sont tous égaux, l'homme est mortel. L'homme est mortel. L'homme est mortel. Maudite soit la vie, eux pensent qu'ils me condamnent à balancer au bout d'une corde de 6 pieds, au bout d'une corde de 6 pieds. On y soit qui mal y pense, on y soit qui mal y pense. Depuis des jours, des semaines, les corbeaux qui ont nettoyé les os de mon squelette usé n'ont pas senti de différence avec le corps d'un citoyen. De meilleurs noms renommés, le saint, le fou, le criminel sont tous égaux, l'homme est mortel. L'homme est mortel. L'homme est mortel. Maudite soit la vie, eux pensent qu'ils me condamnent à balancer au bout d'une corde de 6 pieds, au bout d'une corde de 6 pieds. Et le pendu réfléchissait, à qui mieux mieux sur les stigmates du destin qui tous nous emporte. La destinée frappe à ta porte et tu lui ouvres naïf, serein. Elle se présente ses deux seins et là tu bandes comme un chien. Là tu bandes comme un chien. Coupe-moi la corde aux chers passants pour faire tes beaux, mets tes ongans. Tu donneras un peu d'argent à ma femme et à mes enfants. Mais n'oublie pas le cierge blanc à la Madone des tourments. Et tout à coup le pendu mourut. C'était un mort impressionnant sur cette plage en sable blanc. Sur cette plage en sable blanc, un crabe passe et rentre dans le crâne du mort sans testament. Sauf je me ferai bien pétard avant d'aller au firmament. Je me ferai bien pétard avant d'aller au firmament. Malheureusement, il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Pap, papa, pap, il est trop tard. Pap, papa, pap, il est trop tard. Pap, papa, pap. Dieu le Père et Bouddha et Krishna et Allah dans un même chiné, c'est tout son gros sur le cœur. C'est pourquoi le meeting, c'est pourquoi le meeting. En effet, en ce jour 2000 ans après le Christ, force leur est d'avouer leur échec. Les humains sont méchants et la terre est cruelle, et la terre est cruelle. Je désire tout de suite prendre le crachoir du Bouddha, le gros tas, dans un sursaut sans gloire. Pour ma part, ce ne sont ni les guerres ni les famines qui me prennent de la tête. Non, ce serait plutôt la conception ratée à la base de l'humain, la sélection naturelle. Par exemple, le martyr, le pire qu'on puisse endurer, n'est-il pas avant tout la laideur chronique? Oui! La laideur chronique! Quand je pense à cette fille que j'ai vue à Macao, tellement moche et sans talent, chaque fois qu'elle aimait, son amour se serrait dedans, elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaillait l'intérieur.
Allez hop, un peu de sincérité. Le monde est à pleurer. Ce n'est rien dit à l'art, toujours contradictoire. Je connais des obèses incapables de voir un frigidaire sans frémir d'angoisse. Sans frémir d'angoisse. Honteux et défaitiste, ils traînent la nuit dans les salles à manger. Le jour rase les murs, ennemis des miroirs. Ennemis des miroirs. Votre vie sommaire est tant que Dieu le Père. Savez-vous l'existence de ces familles de banlieue qui passent leur jeunesse à gagner un salaire à peine suffisant pour payer cette maison horrible et cette pelouse affreuse. Et après 20 ans de labeur fou, les enfants les quittent et plus jamais ne les aiment. Et plus jamais ne les aiment. Allez hop, un peu de sincérité. Je vois pire encore de scander Manitou toujours en retard et pété à mort. Je vois le cortège des artistes ratés qui cherchent le tube à longueur de journée et se cassent la tête pour cette pauvre fille qui chantait des balades. Ah, cette pauvre fille pas trop belle qui chantait des balades. Bon train, ça défoule, tout va bien, les dupes pleurent, tous leurs sous sur l'acné juvénile, les oreilles décollées, le parc, la fontaine, la retraite à 60 ans, les amours décevants, les toilettes publiques et les rages dedans, les toilettes publiques et les rages dedans, et d'autres choses encore. Mesdames et messieurs, je n'ai pas encore tout dit. En fait, Jain, Bouddha et Krishna et Allah, épuisés de l'effort, tombent quoi pessimistes et regardent leurs orteils, regardent leurs pieds. Mais Dieu le Père, toujours jovial, se ressaisit. J'ai ici, messieurs, dans mon sac une petite bouteille dont vous me direz des nouvelles. Et le voilà qui distribue les verres. Bouddha s'illumine. Ah, il en a lui aussi. Le sac est cool, à flot, Manitou a du pote et Shiva du hashish. Allah se retire, parce que Allah c'est le meilleur. Dieu le Père et Bouddha, Manitou et Krishna, bras dessous, ivre, mort et joyeux, chanter à tue-tête au-dessus des nuages. Allez hop, un peu de sincérité. Le monde est à pleurer. Un peu de sincérité. Le monde est à pleurer. You tell me, you feel alone, but why are you always judging me? Other, everyone has suffer. Everyone has suffer. Fade out. Everyone has suffer. You tell me. You tell me. Alone. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Yeah, I see. You tell me now, but I know. No, 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 no. Attends, attends, attends. En même temps, balai tout le monde. Menacé, tombé le dedans. Menacé, menacé. Stunning trees, very strange fruit. Blood at the leaves and blood at the roots. Black body swinging into the southern breeze. Strange fruit hanging from poplar trees. Faster all scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh. And the sudden spell of burning flesh. There is a fruit for the crowds to pluck. Thank you.
Dans les WC nickelés de son endroit préféré, elle vient juste de rentrer pour poudrer son joli nez. Sur la plateforme blanche, tout doucement elle se penche, retenant ses longs cheveux de tomber devant ses yeux. Oh, y a des filles comme ça qui ne s'arrêteront pas. Y'a rien à faire, c'est l'enfer. Rien à faire, elle exagère. Pied mort de cookies, bien mettre la couleur au joues. Thank you.
quand elle rit, elle ressemble à un cookie. Et le sang pisse de son nez, car l'histoire est terminée. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin givré. Et le sang pisse de son nez, et le sang pisse de son nez. Stéphane, monte la salle. Ça fait un mois qu'elle, il faut rien, y a déjà les pneus de crever. Vite, 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 au sixième étage, on va la bombarder. Hey, et merde, il faut faire vite, sinon il restera que le klaxon. Oh là, y'a la cité merzouille, ils nous ont volé notre ballon de foot. Tout le monde en monte à la barrière, amener les roches, amener les pierres. Oh là là, la pauvre Mustapha, l'a reçu un cosu, le cabochon. Oh là, ça c'est pauvre Mustapha, allez, on fout le camp, c'est des cons. Alger, c'est toujours l'été. On s'amuse bien sur les trottoirs. On va aux marchands d'à côté et on achète les olives noires. Il y a les rues, il y a le port en bas, c'est la Casbah. Hey, les enfants, les Macs, les Fatma et la mer Méditerranée. Derrière chez moi, El Diyar, il y a le marché noir. Les vieux sont assis en tailleur, les femmes qui vendent des porte-bonheur. Si tu voyais la marchandise, les bijoux et les friandises. Les couteaux super acérés sur les tapis dans les paniers. À l'aïd on tue le mouton, il y a du sang sur les balcons. Après pour enlever la peau, on gonfle avec la pompe à vélo. Alaya baba, alaya baba, alaya baba. Sur mon frère, la neige est hier à Alger. Les oiseaux pour se réchauffer, allez jeter sur la chaussée. Et puis là, là, oui, par milliers se faisaient crabouiller. Je te jure, mon frère, il a neigé, la neige est hier à Alger. Hier, y a eu la migration, les bédouins avec leurs moutons ont envahi toute la cité, toutes les rues étaient bloquées. Si t'avais vu la gueule des flics devant les rues embouteillées, les bédouins tranquilles prenaient le thé devant la tente sans s'énerver. Et puis hier, je te jure, mon frère. Allez jeter sur la chaussée. Et puis là là oui par milliers se faisait crabouiller. Je jure mon frère il a neigé, la neige hier à Alger. C'est là aussi que j'ai connu la première fille que j'ai perdue, la première fille que j'ai aimée, la première fille que j'ai caressée. En face il y avait la Casbah, les enfants, les Macs, les femmes.
Batman. Les olivets, les oliviers, et la mer Méditerranée, 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 et la mer Méditerranée. Sur moi ce jour-là, il me tenait, il me lâchait pas. Entretuer des tas de gens, non sans avoir fait tout d'abord brûler quelques énormes bâtiments, non sans avoir fait tout d'abord brûler quelques énormes bâtiments. Je me mets à l'ouvrage, oui j'avoue d'abord un peu mollement, puis enfin le cœur vient et... D'accord. Il suffit d'exciter la connerie de tous ces braves gens, pour qu'en deux temps et trois mouvements, ils se mettent à se rentrer dedans. En moins de temps qu'il ne me faut pour te faire un enfant. Attends un peu avant de me dire que tu voudrais des petits bébés. Les gens aiment bien quand ça fait mal. Bien.
Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si je devrais oser. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si je devrais... Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si je devrais oser cette histoire sur les ondes radiophoniques, nic-nic. J'habitais au coin de Papineau-Villeneuve. C'était en plein ça. J'habitais au coin de Papineau-Villeneuve, alors j'avais... Je sais pas si j'aurais raconté ça là, aujourd'hui. Est-ce que je vous la raconte? C'est parce que c'est en direct. C'est en direct sur la radio, fait que je vais essayer de prendre mon temps puis de... Ben, c'est stressant, hein? Je suis extrêmement stressé. Mesdames et messieurs, je suis stressé. Alors j'habitais donc... Au coin de quoi, donc? Villeneuve, Papineau. Puis j'étais avec ma copine. Et puis, ben c'est ça, on passait pas mal toute la journée. On avait juste un petit futon, finalement. On revenait d'avoir fait un voyage en Amérique du Sud. Alors, on avait rien, on n'avait pas une scène. Juste un petit futon, une table, puis deux chaises. Puis on passait le plus clair de notre temps dans le futon. Et puis, ben quoi, hein? C'est normal. Alors c'est ça, on passait notre temps dans le futon, puis en dessous on avait cette espèce de voisin qui avait fait l'Indochine, qui avait chose comme bon 60-65, chose comme ça, bien émacié avec des trophées de chasse dans sa maison. Puis il passait son temps à boire de la bière, puis à raconter comment est-ce qu'il avait pété la gueule aux trois tapettes qui restaient ensemble dans le building d'en face, qui faisait du bodybuilding. Tu sais, je leur ai pété la gueule, en tout cas moi du moment qu'ils me touchent pas, ils me dérangent pas, mais eux autres, tabarnak. Puis j'ai dit, tu peux bien appeler la police, je les ai pognés les trois en même temps. En tout cas, premier voisin, à un moment donné, à gauche, il n'y avait personne. Puis à un moment donné, est arrivé le premier voisin, c'était un bonhomme. Avec, c'est ça, un gars de 35, 37, à peu près, avec une moustache trapue. Puis là, ben, il dit « Salut, comment ça va? » Il dit « Tu veux-tu un toaster? » Parce que finalement, il passait son temps à ramasser des toasters, puis ramasser des radios. Il dit « Tu veux-tu une radio? Tu veux-tu un toaster? 5$? Viens prendre un café. Viens prendre un café. Check, j'ai plein de toasters. Tu veux-tu un toaster? » Puis à un moment donné, j'arrive, deux jours plus tard, puis là, il pleurait, je dis « Qu'est-ce que t'as? » Il dit « Elle m'a encore appelé, c'est mon ex, elle passe son temps à m'appeler, puis sais-tu ce qu'elle fait? » Ben, je dis « Ben là, je sais pas ce qu'elle fait vraiment, là, dis-moi ça. » Ben, elle m'a appelé, puis là, c'est ce qu'elle me dit, « Ah là, je suis en train de me faire fourrer, là, par mon nouveau toit et mon écœurant, écoute bien ça, là. » Puis là, elle lui fait écouter ça. Fait qu'elle l'appelait, puis j'arrivais à la maison, puis... En tout cas, à un moment donné, ça finissait plus. Puis là, c'est pas ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle m'a appelé, puis c'est tout ce qu'elle était en train de se faire faire. Ben là, elle me fait ci, là. Puis là, elle me fait ça, là. Puis là, je suis en train de le... En tout cas. Fait que là, c'est ça. Le gars, il pleure, puis il dit, mais je dis, réponds pas. Il dit, je sais pas pourquoi elle me fait ça. Mais un jour, en tout cas, à un moment donné, on est arrivé, puis il y avait personne à la maison. Puis là, pas personne. Fait que là, j'ouvre la porte, je regarde, tu sais, il y avait l'air d'avoir déménagé, mais il y avait la porte de la salle de bain, en tout cas. J'ai tout ouvert, puis il y avait personne. Puis là, mon nez est arrivé, les deuxièmes voisins. Deuxième voisin. Une vieille, trapue, carrée, avec une sacoche, des gros tétons, avec des petites bouches pincées, là, comme ça. Puis là, arrive son bonhomme à côté, 65 à peu près, même âge, chose de même, tu sais. Puis arrive en arrière, tu sais, puis... L'air un peu perdu, tu sais. Fait que c'est ça, la vieille a l'air, tu sais, comme... Puis le bonhomme, il est comme ça. Puis à un moment donné, la porte se ferme, il rentre dans la maison, puis une demi-heure plus tard, qu'ils viennent de déménager. Une demi-heure plus tard, on entend... Fouille, mon vieux tabarnak, ton calice de Saint-Cyboire, après tout ce que tu m'as fait, mon asti. Trouille, mon écœur, tu vas payer des calices, c'est tout mon Christ de tabarnak. Puis là, une fois de temps en temps, on entend. La vieille est raide. Elle descend ça, là. J'ose même pas imaginer. Elle descend ça. Puis le gars, il a eu, je sais pas, deux, trois pontages. Des pontages.
Fait que là, le bonhomme, bon ben, à un moment donné, après les chicanes, on l'entend, il sort. Il sort avec son petit air un petit peu comme s'il cherchait des papillons, tu sais. Puis là, il revient à la maison, puis le lendemain, puis le surlendemain, qu'on a stipé, là, bâche, l'engueule. Fait que là, je rentre à la maison après mes shows. Moi, on fait une semaine, deux semaines de shows, je reviens. Puis là, je demande à ma copine, puis elle dit, c'est tout le temps pareil. Puis là, on les entend en arrière. Ah oui, c'est vrai. Quand la vieille, le bonhomme s'en va, là, elle se met au téléphone. Puis là, ça fait... Centre d'achat, centre d'achat. Fait que là, à un moment donné, je rentre. Et puis, bon, on se met dans le futon, moi et ma copine. Ça faisait une semaine qu'on s'était pas vu. Puis là, on entend... On entend. On entend. Et là, je dis, oh, Colin, c'est encore parti. Ma copine a dit, oh. Là, on se met, on va les écouter. Fait que là, on s'installe sur la cloison, tu sais. On se met sur la cloison, puis on entend la vieille qui dit au vieux, je t'offre, Colin, je t'offre. Fait que je dis, c'est ça, vieille Chris, étouffe-toi et puis meurs. Puis un mot. Un mot. Fait que là, moi et ma copine, on se remet au lit. Puis là, on continue. Mais là, c'est pas ça. Une demi-heure plus tard, il y a le voisin qui monte en haut puis qui me cogne à la porte. Là, je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a encore, lui? Puis là, je réponds. Puis là, il me dit, tu sais pas ce qui est arrivé. Vieille à côté, il y a l'ambulance, elle est morte d'une crise de cœur. Je dis, ben vieux, où est-ce qu'il est? Il est pas là. Fait que je pensais qu'elle chicanait, mais finalement, là, elle est en train de faire une crise de cœur. J'étouffe, Colin, j'étouffe, super! Puis la dernière affaire qu'elle a entendue de sa vie, c'est ma voix à moi, Jean Leloup, qui disait, c'est ça, Nick! Mauvais karma, pourquoi j'ai fait ça, mauvais karma. You feel alone, but why are you always judging the other? Everyone has suffered. Ma chambre, il fait froid, 1,50 m par 3, 5$ la nuit, je crois, 5$ la nuit, je crois. Je possède un lit étroit et une fenêtre en bois. Dans ma chambre, il fait froid. La fenêtre donne sur un mur, en haut ce n'est pas le ciel, en bas ce n'est pas la cour, au loin ce n'est pas la mer. Ce n'est pas la mer. Devrais-je partir ou bien rester? Devrais-je enfin tout laisser tomber? Devrais-je partir ou bien rester? Devrais-je enfin tout laisser tomber? Devrais-je partir ou bien rester?
crucifix. On se marre un Jésus-Christ. Dans ma chambre, moi je prie. Emmène-moi loin. Devrais-je partir ou bien rester? Devrais-je enfin tout laisser tomber? Devrais-je partir ou bien rester? Devrais-je enfin tout laisser tomber? Je la gauche, je la stèle. J'en profite pour souhaiter bonne fête à mon soundman, Stéphane. Bonne fête, Stéphane, on t'aime. On t'aime, Stéphane. On l'aime, hein? On t'aime, Stéphane. Stéphane, on t'aime. Bonne fête. Il est content, check. Ah, oh, Stéphane, qu'est-ce que tu veux que je joue pour ta fête? Qu'est-ce que tu veux? Église? Je connais une église datant du Moyen-Âge. Son portail est fermé, longue grille forgée, ornée de pics chrétiens que j'adore grimper. L'escalade est bizarre, franchement interdite. Il faut avoir un sac pour le remplir d'objets. Il faut avoir une lampe ou au moins un briquet. La lune est formidable, les nuages menaçants. Je m'assieds sur ta grille confortablement. Je contemple la ville. La lune est formidable, les nuages menaçants. Je m'assieds sur la grille confortablement. Je contemple la ville. Puis descendre et faire gaffe, remonter l'autre porte. Passer par le vitrail, il y a une ouverture. Prendre appui sur la frise, puis sur la tête de Saint-François d'Assise. Et sauter sur le sol, la lune est formidable. Les nuages menaçants, je m'assieds sur la grille confortablement. Je contemple la ville. Puis descendre et faire gaffe, remonter l'autre porte. Je reviens sur mes pas, je marche vers la croix. À droite une ouverture, des vêtements de prêtre. Je m'habille la joie, je m'habille la joie. Et je danse sous la lune. Qu'est-ce que je peux être con parfois. La lune est formidable, les nuages menaçants. Je m'assieds sur la grille confortablement. Je contemple la ville.
Puis enfin le miracle de vases en porcelaine émaillés de bleu azur et ornés d'or véritable se présente à la lune. Ils sont vêtus de lucarnes où des vierges de marbre pardonnent aux pêcheurs qui me soufflent cette chanson. Je joue de la guitare. À quoi je joue? Je joue de la guitare. À quoi je joue? La solitude parfois est immense, tout plutôt que d'être ce passant qui traverse le temps de temps en temps. Alors je pars à la dérive, mon lit est un navire, un atelier où je vais pour l'éternité. Voyageur d'un instant présent, je ne sais pourquoi. Voyageur d'un instant présent, je ne sais pourquoi je suis si triste. J'aimerais appeler quelqu'un, mais qui Dieu, je me sens seul, bien je viens tout misère. Je joue de la guitare. À quoi je joue? Je joue de la guitare. La solitude parfois est immense, tout plutôt que d'être ce passant qui traverse le temps de temps en temps. Alors je pars à la dérive, mon lit est un navire, un atelier où je vais pour l'éternité. Voyageur d'un instant présent, je ne sais pourquoi je suis si triste. J'aimerais appeler quelqu'un, mais qui Dieu, je me sens seul, viens, je viens tout m'isole. J'aimerais appeler quelqu'un, mais qui Dieu, je me sens seul, viens, je viens, tout m'isole. À quoi je joue? Je joue de la guitare. À quoi je joue? Je joue de la guitare. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Fuck the system, do it, do it, do it, do it, yeah. Fuck the system, do it, do it, do it. Merci.